Allez, on est parti, ça a l'air de démarrer. Qu'est-ce que tu me batouilles que j'ai pas de débit, toi, t'as pas commencé à me casser les couilles. C'est bon. Il est où le 12? Le 12, c'est celui-là. 23 000. Moi je vais faire celui-là. Mais j'aimerais bien en faire un autre qui fasse tout ça en fait. Alors. Ça. Salut Jules, bienvenue, bienvenue. Pom, pom, pom. Tac, comme ça. Voilà. Là, il y a 10 arrêts. Ça m'a pas l'air moche. C'est lequel que j'ai fait? C'est le 13. Allez, on va se faire celui-là. Et on va se prendre notre dernier bus que j'ai acheté. Non, parce qu'ils vont me casser les couilles. Qui va l'un bus? C'est NG. Ouais, quoi qu'on s'en fout. Allez, on va prendre lui. Salut Black Ball! Un ticket pour Paris, s'il vous plaît. Ouais, je vais quand même pas jusqu'à Paris. Un arrêt de bus sur votre itinéraire est actuellement en cours d'entretien, par conséquent, votre itinéraire a été modifié. Merci. Rien à foutre. Salut Matisse. Salut The Teddy Farmer. Allez, on est parti pour une petite série sur Bus Simulator. Avec ben, des nouveaux bus parce que ça a bien marché. On a bien avancé la campagne, on a 11 bus dans notre flotte, on a débloqué pas mal de terrain, donc on va se faire pas mal de trajets sympas. On a notre premier bus articulé. Hop là, magnifique. Bon, pour l'instant c'est le Mercedes standard, mais bon. C'est déjà pas mal. Allez, go, on y va vite avant d'être en retard. Alors on va essayer de... C'est la première fois que je le conduis, mon gamin l'a conduit, moi j'ai pas encore essayé, donc on va voir. Ah, celui-là il est sympa, bus articulé. Bon, c'est le de base, hein, c'est pas le gros modèle. On va où tout droit? Wopiti! Ça c'est vue extérieure. Ça c'est truc. Putain, j'ai pas mis les vues de côté. Je croyais que j'avais mis les vues de côté. Ah, là on a du gros caire. Salut Mathias. Je vais où? Moi je vais tout droit. Et on a à céder le passage. Alors par contre on a 11 bus qui tournent sur la map. Donc du coup on en croise assez souvent. Donc ça c'est assez sympa. Bon, il me laisse passer. Parfait. Alors, petite zone de travaux. Putain, il y a la SDM BTP qui nous fait chier en plein milieu, sérieux. Regardez ça. Bah écoute, ça va bien, tu vois. J'en profite que mes gamins se soient barrés, là. Du coup, j'ai enfin le PC pour moi, donc on va vite se faire un petit live. Pendant au moins 1 h 30, je pense. Parce que c'est assez tendu en ce moment. Il est magnifique ce bus tandem. Oh putain, ils veulent les tickets.
En bas. Ah, c'est où? Là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Un semaine senior quantité 1. Hop. Un aller simple normal quantité 1. Oh, j'aurais pu dire que je voulais pas donner les tickets, à la limite. Je sais pas si ça vous fait chier quand on achète des tickets ou pas. Si ça vous fait chier de... pourquoi il s'est coupé OBS? Je suis revenu, OBS m'a fait un petit coup de pute là, il s'est coupé 2 secondes, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai du débit, qu'est-ce qui me casse les couilles? Ouais, il y a un truc qui l'a pas plu. On va voir. Non, je baisserai la résolution. Ouais, si vous aimez bien les tickets, moi je laisse. Moi ça me dérange pas de le faire, alors... On ferme les portes. Hop là, on relève le bus. Clignotant à gauche. Normalement, il s'arrête. Voilà, il s'est arrêté. On le voit dans le rétroviseur en haut. Oh putain. Ah! Passager écoute de la musique vraiment fort. Putain, alors ça a le don de nous gonfler. On va s'arrêter là. Hop. On va aller lui casser la gueule. Putain, là, il y a les poubelles en plus. Tiens, on va faire un petit coup de ticket. Non. Ah, c'est toi, t'es à fond. Vas-y. Oh, vas-y, vas-y. Ta musique, elle est trop forte. Ouais. Prochaine fois, je sors avec la batte de baseball. Hein. Parce que bon, j'ai quand même arrêté en plein milieu de la route. Allez, prochain arrêt de bus, on leur fera un petit contrôle ticket. T'étais pas monté, putain, cours. Cours. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. On court derrière le bus tout le temps. Allez, voilà, on a 10 arrêts de bus à se faire, donc c'est top. Et franchement, on a là maintenant. Le jeu est vraiment bien parce que du coup, on a des gros arrêts de bus. On fait des plus gros itinéraires. On a du beau matos à nos. Ouais. Merde. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Ah oh, putain, il veut encore un ticket lui. Simple, normal, quantité 1. Putain, le mec, il a pas de plus petit truc, sérieux. 1, 5, 6, 7, et ouais, pas. Ah, toi aussi, 1 semaine, senior, quantité 2. Bon, là encore, il n'y en a pas trop, alors ça va, mais alors quand c'est jour férié. Allez, va t'asseoir, Gadjo. Les portes se ferment en route. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Allez, zo. On est parti. Ouais, donc je disais là, mon gamin a bien joué, il m'a bien débloqué le jeu. Je suis bien content. Je l'exploite un peu, mais bon, c'est son jeu préféré, alors autant en profiter. Hein. Du coup, ouais, on a 11 bus, on est au niveau 12, je crois. On a des itinéraires où-dessus, il y a 5 bus qui tournent. On en fera un après, vous verrez, comme ça on les croise souvent, c'est sympa. On gagne 150 000, je crois, par jour. Donc, du coup, on peut s'acheter un bus à chaque partie que je fais, quoi. Putain, il faut que je tourne là. Waouh. Tu bouges pas, hein, Gadjo. Hein. J'y tourne. Oh, putain. Si le bus est penché dans... Qu'est-ce qu'il me pète, lui? Putain, j'ai pas vu. Si le bus est penché... Penché davantage, je sais pas ce qu'il m'a dit. Ah ouais, F4, ça sente la caméra, c'est cool. A plus, Jules, merci d'être passé, c'est sympa. Vaut mieux passer que trépasser. je tourne à l'autre d'après, moi. Ils me laissent passer, ils ont décédé le passage. J'essaie de lire en même temps, les sièges sont pas terribles niveau décor. Ben, les sièges sont pas terribles, je les ai mis parce que c'est... C'est ce que tu gagnes quand tu fais la précommande du jeu. Salut LTB Simulation. Donc j'ai mis cette couleur de bus, de siège dedans parce que bon, ça fait chier d'avoir eu l'option et de pas la mettre quoi. Alors là, on a débloqué un autre district. Je vous montrerai les deux autres districts qu'on a débloqués. On a débloqué la zone agricole, donc farming. Non, je rigole. Personne.
Non, ils ont cédé le passage. Et cette zone portuaire, vous voyez, il y a le port sur la droite. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah merde, mais comme ça, je peux pas. Je vais faire une petite vue extérieure. Donc ça, zone portuaire, ça y était pas du tout dans le 16, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vais pas trop vite parce qu'en vue comme ça, je vous explique même pas, c'est chaud patate. Magnifique bus articulé. Je me suis pas fait niquer, non, j'ai cru que j'avais loupé l'arrêt. Allez go, bon on va quand même faire un peu de bus hein, parce que sinon, si je fais pas mon trajet, je vais être à la bourre. Il me reste 30 secondes pour arriver à l'arrêt. Ça va, tranquillouche. Ah, il est là. Ah, ben bonne fin de boulot, The TB Farmer. Toi aussi, tu quittes le taf, Raph, bah t'as de la chance, toi. Ah putain, l'autre il a besoin de la rampe là-bas. On descend la rampe pour le petit fauteuil roulant. Ah merde, il y en a qui veulent les tickets. Voilà. On remonte la rampe. Allez. Mais non, je veux pas descendre. Putain, t'es con. J'ai loupé la machine. Alors, il nous veut une semaine normale, quantité de. C'est bon, tout le monde est dedans. Allez, feu. Pourquoi il veut pas démarrer? Je sais pas, on dirait que j'avais pas mis le, pas mis le frein à main. Donc là, on quitte la zone portuaire pour aller maintenant dans la zone agricole. Est-ce que je peux faire des lives FS17? Ouais, c'est prévu. Je suis en train de modifier la carte là pour avoir quelque chose d'intéressant à vous montrer parce que faire un live avec rien à montrer vaut pas l'intérêt. Et on fera un petit peu de TP sur la carte. Hop. Et LTB, est-ce qu'il est bien ce jeu? Franchement, moi je l'aime bien, hein. Je le kiffe bien. Puis alors franchement, par rapport au 16, il est magnifique, je trouve. En plus, au volant G29, c'est royal à conduire. Hop là. Tout droit, ils ont toujours un cédé le passage, ouais. Faites pas les chiens me couper la route, hein. Par contre, là, c'est moi qui ai cédé le passage. Putain, t'es gentil. Bah, t'es gentil, c'est pas de sa faute, mais bon. Ouais. C'est chaud à tourner. Il est un peu long quand même, le bus. Salut le simulateur Anto. Bienvenue, bienvenue. Télécharge mes mods, c'est cool. J'en mets tout plein en ce moment sur le site. Comme je suis en vacances, je fais un peu de tri dans mon PC. J'en mets à peu près deux de plus par jour. Hein. Aujourd'hui, j'en ai mis un. Faut que je regarde si j'ai autre chose à vous balancer dessus. Travaille pas, Jojo? Travailler ce matin? Salut Clément Rémy, bienvenue à toi. Par contre, j'ai un problème avec mon compteur machin, il marche pas en bas, faut que je le corrige. Hop. Alors, on va passer sous le pont d'autoroutier, je pense. Je pense qu'on va pouvoir la prendre l'autoroute après. Pour l'instant, j'ai pas dû la débloquer. Putain, faut que je fasse gaffe au nid de poule par contre. Parce qu'ici, il y en a plein la route.
Donc là, on arrive dans la zone agricole où il y a toutes les usines agroalimentaires ou agricoles. Je sais même pas. Non, c'est les flaques d'eau. Voilà, donc là. Ah, et voilà. Putain, je l'ai loupé. Nid de poule en pleine gueule, là. Il me laisse passer. Ça, c'est cool. Merci, monsieur. Centre agricole. Donc là, on tourne à droite. Personne en face. Si. Tourne. Oh putain, un nid de poule. Ça, c'est des nids de poule, les merdes qu'il y a sur la route comme ça. Si vous roulez dedans, boum. Par contre, je sais pas si j'ai choisi un bon itinéraire pour un bus articulé parce que c'est chaud. Salut Mickey. Salut Aldidier. T'attends ton collègue qui finit de tondre, et comme ça, toi, tu regardes YouTube en attendant. Comme ça que ça marche. Le mode caserne de pompier, il est dans les modes. Bah ouais, il est sur mon site, et je crois même qu'il est en première page, si je te dis pas de conneries. Alors là, il y a une espèce de connard qui est garé sur l'arrêt de bus. On l'a fait dégager, voilà. Hop là! On s'arrête, on ouvre les portes, on descend la rampe handicapée pour notre ami handicapé. Yoshot, t'as pris ton goûter, ouais. Est-ce que j'ai le bus ferme bus, le jeu de bus ferme bus simulateur? Oui, je l'ai, mais comparé à celui-là, c'est un peu de la nougnotte. Putain, quel con, faut pas fermer. J'ai pas vu qui voyait les tickets. Tant que je regarde le chat. Simple étudiant, quantité pour deux. Ok. Enfin, regardez, on a rien à foutre de ton film. Alors. C'est bon, personne. Touche à on va essayer de pas écraser tous les people là. Hop là, on voit l'articulation du bus dans le rétro de gauche, c'est excellent ça. Ah, quelqu'un a sonné pour descendre. T'as un nid de poule encore là. Ah, alors ça c'est vicieux, vous voyez, il y a un mec qui passe un piéton là devant, un passage piéton, et intérêt de s'arrêter parce que c'est comme au Portugal ça, les mecs ils traversent dessus, ils vous préviennent pour un. Hein, ils sont à côté, ils tournent d'un coup sur le passage piéton, ceux qui ont priorité, rien à foutre. Hein. T'as de faire gaffe. Non, pas encore Mickey, mais maintenant que tu le dis, je vais le faire. Nikon. Et la caserne de pompiers, ouais, elle est sur mon site en première page, je crois. Sinon, elle est dans les pompiers, à la fin des pompiers, tu l'as. Il faut prendre l'édition Platinum. Je t'ai répondu sur Facebook, il me semble, ou sur YouTube. Je t'ai mis ouais, vaut mieux la prendre parce que dedans, t'as pratiquement tous les DLC qui sont compris dedans, donc ça évite de les acheter après. Et franchement, c'est pas mal. Donc je te conseille aussi le Platinum Edition. Par contre, quitte à choisir entre les deux. Faire de bus c'est celui-là, je pense que tu ferais mieux de prendre celui-là. En plus, je crois qu'il est moins cher. Waouh! La part de Joss. Par contre, si quelqu'un sait comment virer le putain d'écran de la minimap à gauche, là, je veux bien connaître la touche parce que j'ai pas trouvé comment faire. Parce que j'ai le GPS au milieu du bus, j'ai pas besoin d'avoir la minimap à droite. Hein. Mais bon, pas compris. Ouais. Que je cherchouille un peu plus. Hop. Alors, bienvenue à tous.
Casse l'écran. Ouais, j'ai pensé. Sinon, je mets un truc devant. Je colle un post-it à droite, comme ça, je l'ai plus. Il est con, tu vois. Alors, semaine, quantité normale, quantité 1. Hop. C'est bon, il s'est arrêté, le camion, nickel. Dernière. Putain, sérieux, tu te fous de ma gueule? Il y en a un qui veut descendre. Connasse. Vraiment, t'as déjà descendre. Bon, si on la laisse pas descendre, on a une pénalité. Alors, c'est pour ça que je me suis arrêté. Sinon, on perd de l'argent et. Le but du jeu premium, c'est de faire le meilleur parcours. Donc, il faut faire un parcours parfait. Plus vous gagnez des points dans le parcours, vous faites ce qu'il dit, vous prenez pas de mid-pool, vous arrêtez correctement, bah, plus vous avez des messages verts en bas à droite, là, les étoiles, plus ça va vous faire gagner de l'argent. Et en fait, cet argent, il vous sert pour les chauffeurs de bus que vous embauchez, ils vont faire la même rentabilité que ce trajet à chaque fois. C'est comme ça qu'ils font leur trajet en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des bons scores, sinon les autres, ils vont faire des trucs pourris en fait. 2 euros. Non, c'est bon. Hop là, petite vue intérieure pour la fermeture des portes. On va démarrer doucement, que le monsieur ait le temps d'aller s'asseoir. Clignotant. Parfait, il me laisse passer. Ça, c'est cool. Hop. C'est quoi ta chaîne pour les modes FS17? Bah, c'est sur mon site. Connais pas mon site? C'est marqué dans le commentaire de la vidéo. Sinon, c'est www.fs17modtp.com. Sur Google, tu tapes FS17 mode TP, c'est le premier qui te sort normalement. Un passager écoute de la musique trop fort. Allez, on va lui casser la gueule. Faut vraiment que je m'achète une batte de baseball. Putain, il est juste derrière en plus. Je vais lui demander son ticket. Il a un ticket valide. On va faire un petit tour de ticket aussi. T'as pas de ticket toi? Bon. Bah, il est où son mec écoute de la musique trop fort? Bah, c'était lui. Bon, je l'ai dit. Allez, on s'en fout. Hop là, c'est fait. Feu. Donc, à gauche, nous sortons de la zone agricole pour aller dans la deuxième ville que j'ai débloquée. Hop là. Avec notre petit bus articulé. FS17 mode TP. Ouais, c'est ça. Tu tapes ça et tu vas voir, ça te sort direct mon site. Qui est principalement dédié au TP. Putain, je suis pas Nick Poult, je vais pas regarder. OTP sur FS17. Et bientôt FS19. Hop là. Hop là, Nick Poult encore. Putain, il fallait me le taper. On a un feu vert. Donc là, on est dans une ville un petit peu plus. Pas pauvre mais standard on va dire comparé à la première ville qu'on a du jeu qui est vraiment je trouve une ville plus chic plus tendance plus dance plus festive là c'est la ville industrielle bah, ouvrière qu'on va dire mettre aussi putain l'autre avait un ticket qu'est ce qu'il veut comme ticket la veillotte un jeu renseigné hop là. C'est bon. Hop.
Allez, on a bientôt fini, il doit rester 3 arrêts de bus dans cette ville, je crois que j'avais mis. Putain, il doit déjà descendre, non mais sérieux, arrêtez. On va s'arrêter là, il y a le passage. Hop là. C'est abusé. Thank you. Connard. Merci GamePro Android, à très bientôt. Ouais, je vais faire du FS17, mais je vous dis, je prépare la map parce que je veux pas faire un truc bidon. Alors... Moi, j'aime bien avoir des trucs. Putain, faut que je tourne. Waouh. Voilà, je coupe tout à travers, alors j'explique même pas. Comme en vrai. On barre toute la route. Rien à foutre. Bah tu peux y aller, c'est vert. T'avances, tu te mets au bout là-bas. Avec leur super Opel, c'est Movano je crois, les petits utilitaires comme ça. Y a que des voitures allemandes de toute façon dans ce jeu. Sponsorisé, vive l'Allemagne. Forcément, c'est allemand. Bon, ça me dérange pas. Hein. Putain, bah maintenant c'est tapé le rouge, crétin. Putain, mais qu'il est con. C'est comme en vrai. Une mise à jour de la map Savoie? Bah, bonne question. Faut demander à Damien, c'est lui qui l'a faite. Merci Laron. Tu joues pas à Fortnite? Bah si je les double, je vais griller le feu rouge, je vais me faire niquer. Non mais c'est abusé. Ah putain, il y a la gamine là qui traverse. Bah la vieille. Ah, écrase-la, vas-y. Je démarre et tout. Putain, je m'arrête là. What the? Oh putain. On conduit comme une merde. Ça le fait. Hop là! Waouh! Va avoir un ticket, la vieille. Oh, personne veut de ticket? Oh, passant. Putain, en vue à l'intérieur. Eh, hey, mets-moi la caméra à droite. Alors, putain, on traverse tout là. C'est vert. Ouais, dernier arrêt de bus, je crois que j'en avais pas mis d'autres là. Comme ça, après, je vous montre un peu ce que l'avancement de la carrière. Tu connais une map FS Agriculture bien réaliste? Bah si Mickey t'en connais une bien, voilà. Hop faf, il dit Mickey. Lui il est plus agriculteur, hein. Si vous voulez de l'agriculture, vous demandez à Mickey, vous regardez la chaîne des fermiers en folie. Bah c'est pas là. Moi c'est TP et puis autre chose. C'est farming, je joue pas agriculture, ça me gonfle en fait. C'est trop toujours pareil. Faut que je vous refasse un peu de pure farming par contre, parce que j'ai pas fait mon quota de vidéos que je veux faire dessus. Donc je vous en ferai un peu de live aussi, on reprendra la carrière agricole que j'avais fait dessus. Prochain live, peut-être que j'essaierai de faire ça. Mais sinon, ouais, si Mickey, si t'as des bonnes maps, ouais, autre que Hop Faf, mais je crois qu'il y a que celle-là. Salut Yanis! Avec les fermiers en folie, on fait le complément, quoi. Je leur laisse faire l'agriculture. Bon, LTB, tu fais. Je sais pas s'il est encore là, Jojo. Il fait aussi pas mal d'agriculture. Je pense pas que. Tu fasses que ça, tu fais autre chose aussi. Mais... Ils sont tous montés là ou. Ah ouais. Il me laisse passer. Putain, sa mère.
Waouh! Ah non, il y en a encore. Ah, on va passer à la gare. J'aime bien ce quartier-là. Alors, vous avez les vélos garés. Il y a des Vélib. J'ai vu l'autre jour, c'était une sorte de Vélib. C'était sympa. On va pas aller trop vite. Pour que l'articulation du bus passe bien. Voilà, on va se remettre à peu près droit dans l'axe. Volant est droit. Hop là. Petite vue extérieure de la gare. Oh putain, je roule à gauche. Ouah, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau réaliste, mais bon, ça va. Ça va. Moi, je trouve. Ah, bah tiens, il y a notre collègue là. Ah, il m'a fait un appel de phare, vous voyez. Ah, il y a un train qui rentre en gare. Il y a notre collègue qui fait je sais pas quoi là. Donc ça c'est notre bus à nous, hein. C'est pas un vrai joueur, c'est l'ordinateur qui joue, mais voilà, on les voit quoi, on les croise. Et encore là, il y en a qu'un qui tourne, je crois, dans ce circuit, donc on n'est pas au maximum. Mais bon, c'est sympa parce qu'on les voit. Dans le 16, il n'y avait pas ça, hein. Vous pouviez en acheter 30 000, vous les voyez pas. Ouais, t'es là, LTB. Hop, fac, c'est la meilleure. Je sais pas qui c'est qui l'a faite celle-là. Un bon nid de poule. Vas-y, télécharge, télécharge, c'est fait pour ça. Putain, fallait que je m'arrête là? Non, c'est pas notre arrêt. Jésus peur. Ah, mais en fait, j'avais peut-être fini. J'ai du monde dans le bus? Ah, mais je rentre au dépôt, tu paries? Putain. Ah! Non. Stop! Je regarde le chat, du coup j'ai grillé le feu rouge. C'est quoi cet arrêt de bus? Putain, il m'a pas... Mais il me fait pas faire le trajet comme j'ai mis, sérieux. Normalement, il n'y a pas de 3 km de distance entre les arrêts de bus. Et je vais pas mis aller-retour, je crois pas. Ah, j'ai peut-être mis aller-retour. Paraît bizarre qu'il me fasse faire tout ça. Oh putain, allez, feu rouge. Non, c'est bon. Waouh. Putain, c'est chaud comme ça. Waouh, super chaud à conduire. Je sais pas ce qu'il veut me faire faire là. Des fois, il nous fait faire des trucs un peu bizarres. En plus, il met pas le prochain arrêt. Je comprends, hein. Bon, on s'en fout. Tu fais une partie à beau sur FS. Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait faire là? Il me fait aller là-bas, il y a même pas de truc. C'est du n'importe quoi. C'est vert, je crois. J'ai pas suivi là. Putain. J'ai accroché quoi? C'est quoi ces machins? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, sérieux, je me suis planté. C'est quoi ces conneries? Putain, j'ai niqué le truc. Vas-y, fais péter, racle tout le côté du bus. Putain, j'avais pas vu les machins sur le côté. Parce que ça me titille, parce que l'autre il me fait aller je ne sais où là.
Et ça commence à me gonfler. Il n'y a même pas d'arrêt où il me fallait. Je comprends pas ce que. Ah, il me fallait au dépôt, ouais, c'est ça. Je me suis fait niquer. J'ai pas vu pour lui dire que je voulais pas y aller. Tant pis. C'est pas grave. Bah, normalement, j'aurais pu lui dire de finir. Parce que du coup, il m'a niqué la gueule, ce truc. Non, je peux pas finir. Une fois qu'on a pris la mission de finir, c'est très con. Allez, feu. Hop. On arrête le contact. Et on descend. Alors. A plus Jojo, merci d'être passé. Ah, il me fait aller au dépôt. Bah alors attendez déjà, je vais vous virer ça, c'est bon. Et ensuite. Voilà, je voulais juste me mettre ça. Tac. Alors, j'ai débloqué nouveau revêtement, nouvelle couleur noire, c'est ça? Sérieux? T'es con? Ah, je suis passé au niveau 14. Nickel. Ouais, je suis passé au feu rouge 250 euros d'amende et je me suis tapé les putains de bordures là que j'avais pas vu, les grosses renforts. Moins 1120. Donc sinon, on faisait un putain de bon score. Et j'ai arrêté deux fraudeurs. Bon, c'est pas grave. Donc nos recettes, on gagne 190 000 euros quand même. Donc c'est pas mal, on a 367. Donc si on veut, on peut s'acheter déjà un autre bus. Et par contre là il veut pas me le faire celui-là. Assigner au moins un conducteur et sélectionner uniquement des bus CNG. Vous pouvez vérifier pour voir si un bus qui se. Bon, on s'en fout. Cette route est valide. Ça j'ai pas compris. Putain, il fait que se couper OBS, je sais pas ce qu'il a là. Il y a deux fois qu'il me fait le coup de claquer. Allez, dégage. Alors, Mercedes. Donc, on a ça. En trajet, on en a pas mal aussi. On en a fois 13. Bon, je suis en train de les refaire parce que. Mais on va se faire la mission là-bas. Il y a pas mal de bus qui tournent. Donc, voilà. Donc, au départ, on commence avec juste Astra Park ici. Après, on a débloqué tout l'autre côté, là, au Kuwait, Segwalden, Schoberbrunn. Après, on a débloqué l'agriculture zone. Là, j'ai débloqué l'industrie zone. Après, il y a le port Amber qu'on n'a pas encore fait débloquer. Bah oui, il y a de l'autoroute, on va pouvoir se faire un. Putain, mais il me fait chier avec son truc. On va pouvoir se faire un trajet autoroutier, je suppose. Donc, ça va être sympa. Et puis, la ville, il y a encore plein de districts, hein. Il y a plein de trucs, là, il y a partout. Donc, ça, c'est fun. On pourrait faire un multi sur FS17, faire du TP. Bah, tu sais, le multi, moi, c'est très compliqué parce que c'est toujours à des horaires un peu bidons. Dont tard le soir, souvent. Voire même jusqu'à minuit. Et puis, toujours à l'improviste, donc c'est compliqué. Des fois, on a des modes qu'on peut pas donner parce que c'est des modes un peu privés, donc. C'est compliqué. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est compliqué à organiser en fait. Parce que moi c'est vraiment au dernier moment quoi. C'est quand j'ai eu un moment de libre, j'ai dit bah allez maintenant on fait multi, il y a qui y a après. C'est très très chaud. Ma vie de famille me permet pas de faire comme je veux de la programmation si tu veux. Hop, on va se faire un petit circuit en haut là. On va se faire ça. Comme ça, là, il y a pas mal de bus qui vont tourner. On va se prendre le Iveco Urban, il est sympa, lui. 3 portes. 24 fauteuils et 38 places debout, donc ça, c'est sympa. Démarrage rapide, ouais, machin, truc, quoi, ouais. Bah, si un jour je peux faire un multi.
J'essaierai d'organiser, puis bah, au pire, je te dirai. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Allez, zou. Donc là, normalement, on devrait voir pas mal de nos collègues. Alors, I need a ticket. Vas-y, fais péter ton ticket. Un jour normal, quantité 1. 3 euros et 5,80. C'est bon? En plus, les mecs, ils marchent bien dans celui-là. Dans le 16, ils marchaient comme des merdes. C'était pas des mouvements réels. Ils marchaient presque plus vite que. Bah, ils avançaient plus vite que ce qui marchait. Par contre, les sièges léopards. Waouh! Bah, zèbre. C'est vraiment cochon-cochon. Hein. Ça me fait planer cette tenue. Allez, feu! Alors l'intérieur de l'Iveco est sympa aussi, moi j'aime bien. Je vous mets un petit peu le tableau de bord. Non, c'est tout droit. Un passager écoute de la musique vraiment fort. Ça c'est toujours. Voir ton ticket, bien. Voilà, comme ça. Bon, ils ont tous des tickets valides. Allez, feu. Donc là, on est dans le premier district qu'on débloque quand on a le jeu. Bah, qu'on débloque. Qu'on a quand on a le jeu. Ville assez sympathique. Heureusement, parce que si c'était moche, ça vous donnerait pas trop envie. Vous avez mis un clignotant lorsque. Ah putain, j'ai pas enlevé mon clignotant. Ah bah il s'affiche pas sur celui-là. Merde. Putain, ça va être dessous le volant. Ah ouais, d'accord. Je l'ai pas vu. Voilà. Alors ça c'est cool aussi, c'est qu'on peut régler les sièges, monter en haut, en bas. Ouais, là je le règle en hauteur, donc on va se mettre assez bas, comme ça, voilà, là je vois mon tableau de bord. Sur l'autre, il n'y avait pas, je crois, les fonctions. Ah, bah, il y a notre pote en face. Je l'avais pas vu. Qui m'a fait un appel le phare. Notre le bus qui part là-bas. Toi, tu vas avoir un ticket? Non. Ouais, toi, tu voulais, j'étais sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Un semaine normal, quantité 1. Salut Gaëtan. Merci Al Didier, à bientôt. Simple, normal, quantité 2. C'est bon. Allez, feu. Putain, il me laisse passer. Donc là, si j'améliore mon score, je vais avoir plus de revenus. Mais comme je me suis fait niquer avec mon clignotant, ben, je vais pas améliorer mon score. Il est con. T'es con avec ta blague. Sérieux. N'importe quoi. Ah, notre collègue. Deuxième bus. Voilà, normalement, il y en a cinq autres qui tournent, donc. Hop là.
Alors, à nouveau un jour, normal, quantité 1, 3 euros. Putain, je l'ai trop rendu, quel con. J'ai cliqué deux fois. J'ai cliqué deux fois, je l'ai vu. 2, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'il veut lui? Jour, normal, quantité 1. Putain, tu veux un ticket toi aussi? Par contre, c'est cool qu'ils aient corrigé le bug du monnayeur parce que ça me faisait vraiment chier qu'à chaque fois tu rendes la monnaie, ça te disait que t'avais pas rendu la bonne somme. Donc, ça, c'est sympa. Allez, suivant. Alors, attention au ralentisseur. Ah, bah, il y a notre collègue là. Encore un bus. Non, je passe devant d'ailleurs. Il me laisse passer en plus. De toute façon, là, il y a des itinéraires dans tous les sens, donc c'est pour ça qu'il y a du monde sur l'autre arrêt de bus en face. Donc, on a le monopole dans la ville, donc on va avoir beaucoup de bus. Je sais pas s'il nous suit. Non, il nous suit pas, notre collègue. Ouais, je savais que toi, t'allais vouloir un ticket, je sais pas pourquoi. Simple, normal, quantité 1. C'est bon? Par contre, ils s'assoivent tous, y a personne qui reste debout dans ce bus. Pas de chier. Ah, et feu. C'est un Euro 6 Iveco, je sais pas. C'est ceux qui fabriquaient Annonay, ça. C'est les mêmes. Ils les fabriquent juste à côté de chez nous, les bus comme ça. Putain, faut que je tourne. Iveco bus, c'est pas loin de chez nous, ça. Ouais, c'est ça, c'est un gaz, c'est un moteur CNG. Ils m'ont fait prendre ça exprès pour mes missions, là, faut que j'ai beaucoup de bus au gaz. Mais bon, je comprends pas pourquoi ça marche pas. J'en ai en bouche pris un avec un chauffeur et il veut pas me faire gagner. Casse les couilles. Putain. Ouais, mon collègue il a failli me rétamer la gueule. Il passait comme une pute l'autre. Putain, l'ordinateur il conduit méchant. Hein. Waouh! Il a failli me détruire la cabine. AFE. J'ai des amis qui travaillent chez Iveco. Ah, il va descendre, il va descendre. Salopiote. Putain, sérieux, c'est abusé. Alors, on va voir les clignotants parce que tout à l'heure, je me suis fait niquer que je l'avais laissé en conduisant. Putain, on a cédé le passage. Alors ça, je crois que c'est une Mégane, la orange qui est passée à gauche. Qui me laisse passer, ouais. Merci. Non, c'est pas celle-là. Ça, je sais pas si c'est pas le dernier arrêt.
Non, c'est pas l'arrêt parce qu'il y en a plein qui arrivent. Est-ce que je veux voir la photo de ton chat? Mais qu'est-ce que je m'en bats les roupignoules de la photo de ton chat? Allez, go! J'ai pas de CD passage, donc on y va, fond de bahut, on a la priorité. Tout, 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 pom, 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 pom. Ouais, travailler à l'ancienne Siri, ouais, j'ai un arrêt de bus à cette Siri. Ils disent pas que des conneries en fait, ils disent des trucs qui. Personne de là, et bah allez, on va aller là. On va se faire le trajet après un peu long là qui nous fait tout ça. Comme ça on ira à la Siri, je crois. Ah, notre collègue! Oh, on a dû voir les 5 bus là. C'est vrai que ça c'est sympa par rapport au 16, c'est qu'on voit les autres bus qui circulent. Et en multi, on doit faire des trucs sympas aussi. Faudra que je l'essaye en multi. Ça peut être fun. Je suis là ce soir, normalement oui. Mais bon, c'est compliqué là. Franchement, c'est le bordel. Je suis en vacances, mais. C'est pire que quand je travaille, je crois. Parce qu'il y a mes gamins, ils squattent le PC jusqu'à 10 h. Donc je suis mort. Ils sont en vacances, je vais pas leur interdire de prendre le PC non plus, quoi. Oh, on va se faire un trajet de nuit, tiens. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Mais ouais, faut qu'on essaye de se faire de l'Eurotruck, hein. Franchement. Ça me manque un peu. Allez, go. Je vais pas regarder à quelle heure j'ai mis le chat, le truc. Je suis là ce soir, tu prends Italie. Ce marchandage. Sérieux. C'est du chantage. Si tu prends Italie, Black Bull, il va être obligé de prendre Italie, sérieux. Le monde de chien. Ça, encore un. C'est trop fort ça, j'adore ça. Croiser les mecs, c'est. Moi ça me botte. J'aime bien, le jeu est vachement vivant, je trouve. En fait, c'est ce qui me plaît dans ce jeu, c'est que. Il y a du monde qui circule, il y a des vélos. Les vélos, ils sont pas tout le temps en plus, hein. C'est jamais les mêmes personnes. Non, franchement, il est bien. Y a pas. Moi, pour moi, il y a assez de bus aussi. C'est un dans 3 tonnes. De toute façon, on a un peu toujours les mêmes après. Je préfère me faire une belle flotte de bus. Semaine normale. En plus, je leur prends que des bus de merde parce que ça change rien en fait qu'on mette un gros bus ou pas. Alors, hop là. Ça va bien, monsieur Scania. Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. Italie, il est à 7,80 €. Ah bah franchement, prends-le. Hein. C'est moitié prix. Ah, dis-le à Black Bull aussi qu'il le prenne. À 7,80 €, ça vaut le coup. Hein. Tu l'as vu sur quoi? Putain, faut que je tourne. Waouh. Putain, j'ai touché encore, sérieux. Oh là là, le carnage. Putain, je regarde le chat et voilà. Ah putain.
C'est chaud de faire les deux trucs. Mais en fait, j'ai mis mon écran de chat trop loin, là. Ça me fait trop tourner les yeux et du coup, bah voilà. Et voilà, l'excuse à deux balles. Bah, l'autre jour, j'ai fait Pizza Connection 3 à minuit ou 1h du match, je sais plus. À 1h du match, je crois, j'ai fini à 3h. Il n'y avait pas grand monde. Rien à foutre. De toute façon, c'est pas un jeu hyper populaire non plus. Donc. Dernière. Allez, terminus. Ah putain, j'ai niqué à la fin, c'est con. Ah ouais. Voilà, terminé. Bon ben, c'était pas terrible, hein. Franchement, j'ai joué comme un chien. Je disais quoi? Je disais que ça, je voulais le mettre là parce qu'au moins, de toute façon, le son il est correct, donc on va pas se faire chier. 5h33. Ouais. Ouais, encore une petite demi-heure. Une heure que je fais ça, il y a 7 personnes sur le live, c'est cool. Oh, on est monté à 10 personnes simultanées, oh, ça va. Pour le multi, sur quel jeu? Sur celui-là, tu sais pas comment on fait le multi? Bah, tu cliques sur multi. Multijoueur. Ah, sur OTS2, faut que tu télécharges Trucker NP. Tu tapes sur Google Trucker NP. Parce que, en fait, le multi c'est géré par un serveur spécifique, on va dire. Trucker NP, il va te demander de te connecter à ton Steam. Tu tapes tes mots de passe, tout ton machin, il va se connecter. Et en fait, après, quand tu veux lancer le jeu multi, tu cliques sur Trucker NP, l'icône qui va te créer. Ça va démarrer ton Steam et te le mettre sur une partie multi. Tout simple. Après, t'y arrives pas, faut faire gaffe parce que quand tu rentres ton idée, ton identifiant, faut bien tout supprimer parce qu'il met un point d'office. Allez, dégage ton truc là, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'on a comme trajet assez sympa? On a le grand là. Oh, on va se faire le rouge, tiens. Bah c'est celui qu'il faut faire là, Siri machin, bah ouais, c'est lui là. Assigner au moins un conducteur. Il faut peut-être que je fasse que du bus. Que du bus au gaz, que je vire tous les autres. La traduction elle est un peu à chier des fois, hein, franchement. Bon allez, on va se faire ce trajet là. Dégage ça toi. Hop là, commencer. Et on va se prendre le Cetra. Cetra. Parce que là, il faut un bus qui a de la patate et lui, il a 1700 Nm de coupe. Et puis il a des places assises. Ah merde, je voulais le mettre de nuit. Ah bah attends. Non, ça me plaît pas. Balance abandonner le trajet. Bon, chier l'autre là. Ils veulent Cestra et on va le faire de nuit. Et pourquoi il pleut jamais? L'autre jour il pleuvait, c'est quoi ce bordel? Météo et journée. Réglage des rétroviseurs. N'importe quoi. Bon. Normalement, je vais faire de nuit. Ça change un peu. Le simulateur, il a 18 euros. Ouais. Ouais. Bon, c'est correct. Mais après, ouais. Hop!
Hop là. Donc là, on a... Merde. Quand je veux montrer un truc, il y en a un qui vient me faire chier. Un simple seigneur quantité 1. C'est bon. Donc on a notre bus Astra. Donc là, on est quand même plus dans du bus, du car que du bus. Intérieurement, ouais, c'est plus des... Ouais, c'est pour faire du long trajet, quoi. Déjà, il a plus de patates. Non, mais arrête avec ce putain. Putain, je suis sorti avec le mauvais clignotant. Sa mère. Va me faire niquer. Ah! T'as une peinture, elle est trop belle. Bah, nickel. Ça, notre pote. Ah, il a pris le tandem. Trop fort! Ah, bah oui, je lui ai piqué son bus, donc forcément. Ouais, normalement on doit avoir un paquet d'autres bus là aussi. Y'a personne? Gauche. On va y aller quand même mollo mollo. Bon, on va se concentrer un peu et essayer de pas trop niquer les trucs. Voilà, hop là. Faire un bon trajet. L'autre jour, on était deux à l'arrêt de bus. Putain, ça bouait. Il y avait la queue, dis donc. Ah, je savais bien qu'il y en avait un qui voulait un ticket. Kiki. Kiki. Par contre, ils nous ont pas remis les. Dans le 2016, il y avait des personnes un peu alcoolisées qu'il fallait faire descendre du bus en fait. Il fallait virer, ou bah, qui faisaient le bruit dans le bus, et ça nous faisait des pénalités donc. Où on les gardait, on les giclait. Ils ont dû se prendre des procès parce qu'ils l'ont pas remis dans celui-là. Ont dû se faire engueuler, comme quoi ça se faisait pas bien de virer les mecs. T'as un nid de poule là. C'est bon. Non mais sérieux, il se fout de ma gueule. Putain. Bah ouais, il me fait faire un demi-tour pour rien là, putain d'abruti. Putain, qu'est-ce qu'il est con? Pourquoi il m'a fait tourner là? Alors c'est moi qui ai pas vu. Oh putain, voilà, nid de poule, je regardais. C'est quoi le truc pour les mods quand tu utilises en multijoueur? Sur Euro Truck? Bah les mods, faut qu'ils soient compatibles multi, mais il y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je mets aucun mode quand je fais du multi. Je mets que les trucs de base sur Euro Truck Simulator. C'est trop le bordel, sinon. Bonjour à tous les nouveaux qui sont sur le chat et que je n'ai pas vu et que je n'ai pas encore dit bonjour parce qu'il doit bien en avoir, donc ça défile tout le temps. Merci d'être ici avec nous sur Bus Simulator 2018. Je repasse au même endroit, espèce d'abruti de GPS. Ah, c'est moi qui me suis trompé, j'ai pas tourné où il faut. J'ai tourné trop tôt. C'est
C'est de ma faute. Allez, donc là par contre on part directement pour un bon petit trajet quand même. Parce que, putain, je roule en plein phare. Est-ce que je fasse gaffe au nid de poule? Putain, il y en a un. Et voilà, bam! Putain, je l'ai vu trop tard. C'est chaud à voir. Putain, il y en a un autre là. Putain, c'est rouge! Freine! Ah! Mon pédalier s'est barré! Putain! Enculé! Allez, rien à foutre, tant pis. J'ai appuyé trop fort, j'ai perdu mon pédalier. Bah, les modes aussi, peut en utiliser qui sont compatibles multi, c'est tout quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup, faut les acheter sur. Bah, faut les acheter. Faut les prendre sur le Workshop de Steam. Il y en avait quelques-uns, mais il n'y a que dalle quoi. Ça vaut pas le coup de se faire chier à chercher. Putain, j'ai grillé le feu rouge. Saleté. Jour normal, quantité 2. Hop là. Allez, c'est le qui me bloque ma putain de porte. Putain, mais t'es trop conne, toi, sérieux. Va t'asseoir avant que je tape. Bon, ils ont tous les tickets valides. Je contrôle. Allez, normalement. Normalement, je crois qu'il y a que des lignes droites là. Putain! Freinage brutal, tu m'étonnes. J'avais pas vu ce putain de feu rouge. Bon, moi, je l'ai pas grillé. Ouais, t'es bien long. Ouais, je savais que. Un simple normal quantité, hein. Allez, feu. On va passer sur le petit pont. T'as installé l'Italie? Ouais, mais nickel, on va se tester ça. Comment tu as fait dans ton live ETS? Bon, on n'a pas de mode dans le live ETS. Quand on joue à ETS, on n'a aucun mode. Bah après aussi, on a le mode. Les modes de base Italie. Bah c'est pas des modes, c'est des DLC quoi, c'est tout. Heavy Cargo, tout ça, mais c'est des DLC du jeu, c'est pas des mods. On joue avec les trucs de base du jeu. On vire tout le reste, quoi. Saleté de nid de poule, là, il y en avait un bien. Putain, il est clair que dalle, le bus. On a la montée, là. Ancienne Syrie.
prochain arrêt. Oh, d'accord, prochain arrêt de la série, là, en plein milieu de la route. Oh putain, l'autre il m'a doublé. Cool. Ah, yeah, Kiki. Seigneur, prends du thé. Thank you. Ah. Pourquoi il voulait pas redémarrer ce connard? Putain, l'autre il me double, sérieux. Comment qu'il s'est fait niquer? Ouais, merde, je suis passé trop vite sur ce putain de Nidpool. Putain, il faut passer à 30. Ah ouais, je suis un peu à 40. Merde. Bah, les DLC, ouais, ils sont payants, quoi. La preuve, il vient d'acheter Italie à... la map Italie à 7,80€. T'as notre pote. T'as encore un. Un bus à gauche aussi à nous, de notre compagnie. Alors, il veut ticket simple, normal, quantité 1. Putain, 17,80€. Bon, il doit pas en avoir bien mieux des arrêts. Hein. Je crois pas qu'il y en avait 3 tonnes. Il doit rester peut-être un ou deux. Pas plus. Encore un. J'essaie de faire une petite vue pour voir l'autre bus, mais c'est chaud quand même. Encore un après. Ouais, je vais te le ticket toi aussi, la vieillotte. Alors, jour, seigneur, quantité 1, 4 euros, 5 et 6. Voilà, voilà. Semaine, normal, quantité 1. Voilà. On ferme les portes. Clignotant à gauche, la personne est follée. Putain, il prend pas mon clignotant à gauche. Ah non, il en reste encore deux. Alors, gaffe à ces putains de Nidpool. Putain, je me suis fait flasher. Putain, mon gamin m'a dit qu'il y avait un radar, j'ai oublié. Oh lolo. Je me suis fait flasher. Ah bah c'est... Non, c'est pas le dernier, mais il y a personne. Personne descend, personne monte, pas au moins. Dernier arrêt.
Putain, ils sont garés n'importe comment dans la map. Waouh. Allez, petite vue extérieure pour le dernier arrêt. Possible sans les branches. Et walou. Terminus du bus. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Et voilà. Oh, j'ai débloqué plein de trucs, putain, nickel. $753 000, bah avec ça on va pouvoir s'acheter des bus hein. Sélectionner uniquement des bus. Alors, en fait il faut que je passe tous mes bus au gaz, donc c'est ça. Donc il va falloir qu'on remplace toute notre flotte de bus. Les 11 bus, je suis sûr que c'est ça. Donc tous mes Citaro qui sont pas au gaz, va falloir que je les vire au gaz. Je prends que des Iveco. Bon c'est pas grave. Est-ce qu'on en a débloqué d'autres? Donc là on a le Iveco CNG. Bon en fait il faut tout simplement que je les mette pas en action les autres, c'est tout. Là on a le Cetra en 3 essieux. 57 fauteuils, putain ça commence à faire. Et on a le Iveco Gaz. Et après c'est quoi le Lions? Ah le Lions, il est le man, il est au gaz aussi. Mais que je dise pas de conneries, le man là il est pas au gaz. Ah non lui il est normal. Voilà, on va essayer de faire du ETS. Notre ami Gaëtan a acheté le DLC Italie et moi j'adore l'Italie, alors on va se faire ça. Bah, ce qu'on va se faire, on va s'acheter deux bus, magasin, Iveco, un, on va le personnaliser tout de suite, à nos couleurs, c'est des petits cœurs, sérieux? Tu rigoles? Oh là là, il y a des petits cœurs dessus, non mais t'es taré toi. Mais pas ça moi. Armez-moi mes couleurs. Voilà, donc on en a déjà un. Et ensuite on va s'en prendre un autre. Iveco CNG. Acheté, personnalisé. Pas mettre des petits cœurs moi. Il est taré mec. Voilà, donc là on en a deux bus. Ce qu'on va faire, donc on a acheté cela, on va peut-être pas les vendre en fait, on va les foutre en attente. De toute façon je m'en fous, je gagne du pognon. Pas de souci, monsieur Scania, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai comme itinéraire? Donc lui, tu mets un bus. Ah bah je l'ai eu. Ah bah voilà. Ah c'est un abruti sérieux. Putain quelle connerie ce machin. Ah je suis dégoûté. Assigner au moins un conducteur et sélectionner uniquement des bus CNG. Putain je l'ai fait tout à l'heure, il me l'a pas pris et maintenant il me le prend. Bon bah voilà. Bon bah j'ai eu ma mission. Et après ils disent quoi? 85% des arrêts de bus débloqués doivent être sur des itinéraires qui génèrent des revenus avec des conducteurs. Bah ouais, je sais, j'ai pas... Il faut que je réorganise tous mes trucs, en fait. Bon. On va se virer les itinéraires de merde qui servent à rien. Donc là, il est là-haut, c'est bon. Lui, il est là, c'est bon aussi. Le 13... C'est celui-là, il me rapporte 25 000. Lui aussi, c'est bon. Le Hitspock.
25 000. Hitspock, il y a deux trucs, mais. Viens, c'est plutôt pas chier. Lui, c'est pareil. Il me rapporte que dalle. On vire. Putain, il y a le violet encore. Donc lui, il fait le tour là. Là. Il a combien d'arrêts? Il a 9 arrêts. Il fait en haut, il vient là, il fait là. Bon, lui, je vais le laisser, il est pas mal. Et en plus, il me rapporte 27 000. Donc on garde. Les crêtes. Donc lui, il rapporte que dalle et il est pourri. On vire. Ah merde, fallait pas. Ah mais non, je m'en fous, je vais le refaire. C'est pas grave. Lui, c'est celui qui fait raffinerie machin. Le rouge. Donc lui, il est bien. Et ça, c'est l'autre là-haut. Ah mais promenade machin. C'est bon, il fait que dalle, promenade machin. Regarde-moi ça aussi. Le vert. Bah si, le vert y est. Ok, donc là je suis bon. Donc là j'ai le vert qui me fait ce trajet. J'ai le rouge qui fait ce trajet là. J'ai le violet qui fait l'autre trajet. Et le vert il me fait un grand truc. Il les prend tous le vert. Le vert il est bien. Ok. Ah oui, j'en ai pas qui fait le milieu. Donc on va se refaire. Il veut pas plus de 8 arrêts. Donc celui-là, il me fait tout comme ça. Donc là, je peux. Et où le dernier que je viens de faire? Fait 14. Donc là, il n'y a pas de chauffeur. Conducteur hors pair. De toute façon, j'ai que des super chauffeurs. Voilà. 25 000, on va en foutre un autre. Voilà. Alors là, c'est quoi? C'est celui qui fait ça. On va mettre des chauffeurs aussi. Salut Guillaume, le boulebar. Bienvenue. Ouais, je te tiens au courant, pas de soucis. Putain, ils sont tous attribués, mes chauffeurs? Merde, il faut des chauffeurs.
Il me faut des employés. De toute façon, on se prend pas la tête, on prend le top des employés maintenant. Et là, il n'y a personne. Alors, toi, tu vas là. Donc, les urbains, ils sont pris. Si t'as Roger, c'est un grand, ça. Ah, j'ai encore un urban. On va lui mettre lui, on s'en fout. Donc là, il me reste un urban, un bus, deux, trois. Il me reste trois bus dans un grand. Bah, le grand, j'aurais bien mis sur un super ventral, lui là. Vingt-sept, 34. Sais pas si je peux lui mettre un plus gros là-dedans. Ah merde, j'ai plus de chauffeur. On va lui mettre un. Ce trajet, il y a personne, mais de toute façon, je l'ai pas fait, je peux pas mettre quelqu'un dessus. Et lui il me rapporte 34 000, donc on va le mettre ici. Normalement je peux parce que je l'ai débloqué. Et on va mettre le gros. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore un CNG Iveco. Et il me reste un Citaroka. Promenade machin, c'est celui-là. On va mettre le Citaroka là. Merde, j'ai pas de chauffeur. 900. Il n'y a plus de chauffeur à 1000 là. Chauffeur à 1000, c'est ceux qui sont le plus doués. On va prendre un chauffeur à 1000. Enfin, 900, hein, vas-y. On s'en fout de la... du nom. Donc, vas-y. Il n'y a qu'un chauffeur. Hop là. Marina, hop là. Avec. Oh, je vais me garder l'urban, hein. Si vous faire foutre, autant garder le bon. Voilà, donc là ils sont tous attribués. Donc on les a tous mis. À tout à l'heure, Gaëtan, pas de soucis. 6 h. 4 personnes encore sur le chat. On va se faire le petit trajet que j'ai mis là, qu'il n'y a personne. Voilà, celui-là. J'ai pas de revenus, donc on va se faire ce trajet en mode jour, parce que pas non plus, et avec le Iveco qui était libre. S'en fout, c'est pareil. Allez, c'est parti, dernier trajet pour la fin du chat. Bah du live. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vous montre l'intérieur du petit Iveco. C'est con qu'on puisse pas changer le sol. Bah le sol, les sièges. Moi les sièges comme ça ils me bottent pas, mais bon. Pour l'instant je peux pas, peut-être qu'après je pourrais. Hop. Allez, on se finit notre trajet. Bah, notre nouveau trajet. Et là, j'aurais refait tous les itinéraires nickel. Parce que le problème, c'est qu'on fait un peu des itinéraires bâtards pour débloquer le jeu. Mais après, il faut les refaire comme il faut pour être rentable. Bah merde, il a besoin d'une rencontre handicapée. Ouais. Quantité 1. Un jour, normal, quantité 2. Il est rentré notre ami en fauteuil là? Non, il est pas rentré. J'avais appuyé mais ça l'avait pas pris. Alors ça c'est bien, c'est qu'il y a une touche d'attribuer maintenant pour la rampe, parce que dans le 16 il fallait descendre
Aux portes, c'est assez chiant. Je voyais pas trop l'intérêt. Je préfère appuyer sur une touche et que ça se fasse tout seul, quoi. Alors, hop là. Là, par contre, chaque bus a pas la même conduite aussi. Ça, c'est cool parce que lui, il a la direction qui est vachement plus dure. Putain, quand je tourne, au ralenti, ça va, mais alors quand je tourne. Putain, c'est pas celle-là. Va me faire niquer. Ah, il y a notre pote en face. Un bus de notre compagnie. On va lui passer devant d'ailleurs. Là, il va me rentrer dedans, l'autre con. À côté là. Sérieux, ils sont abusés ces mecs. Il conduit sur Iveco aussi. Pourquoi je passe pas? Si, je passe. Ouais, bizarre. J'ai rien touché, j'en sais plus. Bah oui, je sais qu'il y a un passager handicapé. Oh, t'as 2 minutes, c'est bon. Oh là là. Sexy tous pour rien. Là. Allez, descends, vas-y. Putain, je l'ai enlevé, il était pas descendu. Waouh. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Simple seigneur quantité 1. Tac. Ah, tu veux un ticket, toi aussi? Semaine normale, quantité 2. Putain! Je clique à côté. Un ticket. Simple étudiant quantité 1. T'as le frein à main, il est chiant à enlever sur cela. T'appuies une fois, ça marche pas. Pas grave, mais bon. Ah putain. T'écoutes ça, ça va pas. Elle monte ton ticket. Ouais, ils ont tous des tickets valides, tant qu'à faire, autant contrôler vite fait. Allez, on est reparti. Faut contrôler les tickets de temps en temps parce qu'il y a quand même des fraudeurs. Hein. Dans un trajet, on peut en enlever 2. Salut Victor, bienvenue parmi nous. Hop, allez. Un ticket, please. Alors, un simple, normal, pour 1. 5, 6, 7 et 8. C'est bon, plus personne. Allez, feu. Nous sommes partis pour l'arrêt suivant. Ça va être le dernier arrêt de la zone portuaire et après nous allons dans la zone agricole. Ah, Mickey a lancé farming. Attention les fermiers en folie. Ah, c'est pas là, c'est tout droit, je suis con, c'est à l'autre après. Salut Mathis Chassin, bienvenue parmi nous. Bienvenue sur Bus Simulator 2018. Bah écoute, ça va tranquille, tu vois. On fait des petits trajets sympas, on améliore notre entreprise qui grandit, grandit, grandit.
Bon, les amis, si vous connaissez pas la chaîne des fermiers en folie, je vous invite à y aller aussi. Ils font pas mal de lives sur Farming Simulator Agriculture, hein, surtout de l'agricole. Donc Farming Simulator 17, donc je vous invite à y aller voir. Et puis aussi LTB Simulation, si vous connaissez pas, je vous invite à y aller aussi. Petite chaîne sympathique, plus celle de la SDM qui s'affiche par Nightbot, hein. Pas vous les redire non plus. Est-ce que je me souviens de toi, Mathis Chassin? Pouah, là, tu sais, je vois tellement de monde. Et puis alors là, en jouant, en plus, c'est compliqué de réfléchir à tout. Ça me dit rien. Ton nom me dit rien. Après, si tu me dis, ça va bien me revenir d'un coup. Putain, tu feras un mal à la con. Ah, mais les portes sont ouvertes. Ah ouais, c'est bon, faut. Ah, mais c'est toi! Mathis, Chassin? Ah, je savais pas que c'était Chassin. Mathis, oui, j'avais pas fait gaffe à Chassin. Ouais, tu vas me dire, c'était quelle heure? C'était pas 3h du mat aussi? Je crois bien. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'était quand même tard. C'était quand même tard. Avec ma superbe pizzeria à Paris. Ouais, il était 2h, c'est pour ça, alors faut m'excuser. Hein. J'étais un peu naze. Et un peu dégoûté parce que j'avais fait une super partie avant. Pas en live, je me fous en live, je fais un truc minable. On a pourri la pizzeria à Paris. Ah, on peut pas faire toujours des vidéos parfaites. Hein. Surtout en live. Quand ça merde, ça merde. Allez, on est parti pour la zone agricole. On va peut-être pas rouler trop vite parce que je sais pas combien c'est limité là. 70, 40. Alors là, par contre, c'est le pays des nids de poules. Là, il y en a un. Obligé de conduire comme un chien dans ce pays. Là, je crois qu'il y en a un autre que je me fais niquer à chaque fois. Non, c'est pas là. Non, c'est une flaque d'eau. L'autre, bah tiens, elle veut une pizzeria, c'est marrant. Parle de pizza connexion, l'autre, elle veut une pizza. Là, je crois qu'il y en a un nid de poule, non. Putain, je suis sûr qu'il y en a un caché quelque part, je me... Là. Putain. Ah, c'est là! Non, c'est... Si, c'est là. Putain, il me laisse passer que dalle, hein. Là, il y a un bon nid de poule aussi. Aïe. Ouais, les flics, ils rôdent autour tout le temps à Paris. Laisse tomber. Côté Paris, la pizzeria, avec des flics. À croire qu'ils bouffent que des pizzas, les flics. Ah! Notre arrêt de bus est pris par un bus. À nous. Mais c'est pas grave, nous nous arrêterons derrière tranquillement. On va le suivre en plus parce qu'il va faire le même trajet que nous. Toi, t'avais une tête à vouloir indiquer, je le sentais. C'est bon? Allez, on va rattraper notre collègue. Qui est joué par l'ordinateur, mais bon. Ah non, il a tiré tout droit, lui. Personne va à cet arrêt que j'ai mis, je crois. C'est pas celle-là en plus, c'est l'autre. Leur bus, ça se voit à peine que c'est... Leur camion, je veux dire que c'est des Iveco. Bah moi, pour moi, c'est des Iveco.
Ils ont un peu le nez de l'Iveco quand même. Entre le Renault et l'Iveco, mais je pense plutôt que c'est de l'Iveco. Ça va être allemand, Iveco. Tout, 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 tout. Ah bah c'est écrit en gros, Iveco. Après, on va débloquer à droite là qu'on pourra y aller parce que pour l'instant je peux pas y aller. Bah, surtout que j'ai rien à aller y foutre. Je crois pas que ce soit bloqué en plus. Bon, ils me laissent tous passer, on va y aller, hein. Putain, je vais me prendre la branche dans la gueule. Non, c'est bon. Il est là notre arrêt. Sympa les phares derrière. Hop. Oh, tu veux un ticket toi? Personne veut de ticket? Oh, c'est magnifique! Arrêt suivant. Ah, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le chat. Bienvenue à vous. Bah, sur le live. Bienvenue parmi nous sur Bus Simulator 2016. 2018, excusez-moi, je suis con. Ah putain, il y a du monde là. Notre collègue en face. Personne qui monte, personne qui descend. Pas grave. Échelle des ballots de foin. On est dans de la zone agricole, ça se voit vu les noms des arrêts. Hein. Ouais, dernier arrêt. La dame l'a bien dit. Il s'amuse à défiler avec son scanner sur OTS, c'était con. Enfin, nid de poule ici, sérieux. Allez. Dernier arrêt. Et voilà, terminus, fin du trajet. Nous avons fini. Ça dit quoi? Putain, ça pète de partout là, nickel. Oh, j'ai débloqué le C3 S418 LE. Nickel, c'est le grand. Ah oui, je suis passé au niveau 15. Plus 4 bus, 17 bus on a. On gagne 243 000 par tour, je suis à 410. Ça va, nickel. Ah bah j'ai tout fait. Oh bah nickel. Ah ouais, ça m'a débloqué la zone là. Oh magnifique. N'a jamais été aussi fiable. Ah, on a intégré la gare frontale. Ah ouais, d'accord, ça va. Il y a tous les districts de la ville. Putain, après, on va pouvoir se faire une putain de ville, là. Récupérer la zone du port, si vous pouvez. Donc, si on arrive à faire ça, ils nous libèrent la zone du port. Donc, ici, ils vont nous donner cette zone-là avec des arrêts supplémentaires de ce côté. Il faut juste qu'on intègre ça dans notre réseau, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc on a tout ça à faire en...
En mission, débloquer la gare centrale, utiliser un ou plusieurs conducteurs pour générer des recettes sur un itinéraire de maximum 8 arrêts. Gare centrale, chef turf, machin. C'est quoi ça? Un arrêt gare centrale. Putain, dégage. Trois arrêts chauffeur. Ah oui, ah, j'avais pas vu, on a là. Ah putain, ouais, il va jusque là dans la montagne. Cool. Ah ouais, mais on a de la montagne, il va nous falloir le gros bus là. Bon, alors si on se fait déjà l'itinéraire qui nous demande le Jojo là. Bah, Jojo. Pas jouer LTB. Hein. Gare centrale, elle est où la gare centrale? Porte de menuisier, gare centrale. Gare centrale là. Donc la gare centrale déjà, c'est celle-là. Ah putain, fais pas. Allez! Voilà. Gare centrale, elle est ici. On peut avoir deux bus. Les autres, on peut en avoir. 10 bus, on peut avoir. Hein. Laisse tomber. Ensuite, dans ce machin, je fais feu. Donc, ça veut dire dans ce quartier, il faut qu'on ait 3 arrêts. Bah, si je fais ça et ça, voilà. 1, 2, 3. Et ensuite, 2 arrêts. Mais en total, il nous en faut maximum 8. C'est bon là. Putain, tous les arrêts de bus qu'il y a. Gare centrale, un arrêt. Recette, une un maximum. Un maximum de 8 arrêts. J'en ai bien que 8 là. Il est où celui que je viens de faire? Là. 8. Donc lui il est prêt. Ensuite, il nous faut. Donc on a libéré. Merde. Il est où notre gros bus? Après c'est niveau 18 pour avoir l'articulé comme ça au gaz. On a libéré lui. Et bah allez, on va se l'acheter, hein. 450. Ah merde, on n'a pas assez. Bon bah on s'achètera après, hein, tant pis. Prochain coup. Bah j'avais dit que je faisais pas d'autres, mais tant pis, hein, on va se faire celui-là. Alors on se fait le nouveau trajet. J'ai envie de le faire, je le fais. On va se prendre le. On va se prendre l'Iveco, comme ça on est tranquille. Salut Zero, bienvenue parmi nous. Un arrêt de bus sur ordinateur, et bah forcément, déjà il m'en bousille un arrêt de bus qui marche pas. Ruelle de ménage des chevaux. Mais sérieux, c'est. Il est où la gare centrale? Porte Amber. Putain, j'ai l'impression qu'il nous fait faire n'importe quoi le machin. Quoi? Les vélos sont pleins. Bon, en plus, il y a du monde sur le chat qui arrive. Bah, sur le live, bienvenue à tous! Là je tourne là. Ah putain, il y a un mec qui écoute la musique trop fort. On va lui dire de fermer sa gueule. C'est le vieux en plus, il écoute la musique trop fort. Okay. Allez, feu. Alors là, il y a un arrêt, mais c'est pas le nôtre. Je sais pas où il est, notre arrêt de gare centrale d'ailleurs.
Ah oui, d'accord, il est en travaux. C'est pour ça. Ah bah c'était celui-là, la gare centrale. Ah! Ouais, c'est clair, c'est la gare centrale qui est en entretien, alors j'espère qu'il va pas me faire chier. J'ai vraiment pas de bol quand tu regardes, sérieux, on a toujours une couille. Hein. J'espère qu'il va me faire gagner ma mission quand même, parce que fallait que je fasse gare centrale et tous les autres. Alors... On va bien voir. Bon, je m'en fous, même si je gagne pas. Tiens, la Mégane qui vient de nous doubler. C'est surtout pour aller dans la montagne, là où j'ai jamais fait. Je vais faire circuit. Ça nous en a débloqué un autre. Là on tourne à droite. On va quand même y aller mollo mollo parce qu'il y a quand même une petite limitation de vitesse, je pense, en ville. Ouais, bah c'est bon, je vais te la sortir ta rampe. Putain, ils sont agressifs les gens, sérieux. Voilà, elle est là ta rampe, crie pas. J'ai cru qu'il descendait pas l'autre, sérieux. Le mec il gueule et en plus j'ai cru qu'il descendait pas. Semaine normale, quantité 1. 2 euros. Nickel. Allez, on est parti. Bah non, il me semble que j'avais mis tout, hein. Putain, je sais pas où il faut. Ouais, tant pis, on s'en fout. Les autres, on sait pas de toute façon. Non, il me semble bien que j'avais mis tous les arrêts. On va bien voir. Non, il y en avait deux. Gare centrale, fallait le sélectionner, je l'ai pris. Il y en avait trois ici et trois ailleurs, je crois. Trois en haut de la montagne, il me semble. J'ai tout mis. Bon, on verra bien. Bon là je suis jamais allé, hein. C'est nouveau, je connais pas la ville. Bye. Allez, on attaque les ronds-points. Et la montagne, j'espère que ça va être fun. Donc là déjà c'est vert. Non, non, j'ai pas oublié le passager, il vient de descendre, il voulait pas monter. C'est bon. Bon, de toute façon, il n'y a pas de sortie. Nous, on sort ici. Nous sortons à Westfield. Nous passons sous l'autoroute. Oh putain. Et là, encore un rond-point. Ah, il y a des vaches. Non, c'est des chevaux. Des chevaux, des vaches. C'est quoi ça? Putain, on dirait des lions. Non, c'est des vaches. Putain, elles sont sympas, elles sont animées en plus et tout. Franchement, c'est cool, hein. En plus, c'est joli, hein. C'est bien fait, hein. Ça va, c'est pas moche, hein. Un nid de poule, là. Parce que là, au moins, elles bougent, les vaches, hein. Ah, il y a un passage à niveau. On va passer doucement dessus quand même. Trop cool. Franchement, il a rien envie à Euro Truck Simulator en niveau graphique. Putain, c'est clair, elle est trop belle. Tu l'as le jeu, Matisse? C'est quoi, c'est un CD? Ouais, je sais, j'avais vu qu'il y avait des trains. T'as le jeu, bah, faudra qu'on se fasse un multi à la limite dessus. Ça peut être sympa.
Alors, simple, normal, quantité. Ouais, bah tant mieux, ça m'arrange aussi. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Moi, d'août sera plus calme. Il est un peu buggé, bah d'ici le mois d'août, il va y avoir d'autres mises à jour à mon avis, parce que l'autre jour ils nous en ont fait une d'un giga, donc je pense que ça sera corrigé. Au mois d'août, quand tu vois que je fais un live, on s'en reparle, on se le redit. T'as beaucoup de bus toi dans ta partie? Là je suis à... Combien j'ai dit? 17 je crois. 17 bus. Commence à faire pas mal. Je vais tous les changer là dès que je gagne de l'argent. Prendre une belle flotte de bus identique. On va tous les mettre au gaz déjà. Comme ça on n'est pas emmerdé par la pollution. Et je pense que de toute façon il va nous prendre un cake dans des missions qu'il faut avoir que du gaz. Sont sympas les arrêts de bus à la campagne. Elle est sympa quand même cette map là. Franchement ça me botte bien. T'en as moins que moi, mais t'es au même niveau? Ah, bah t'en as pas acheté assez tôt. En fait, qu'il faut... Faut en acheter tout le temps des bus et des chauffeurs. C'est ce qui te rapporte de l'argent. Là, ça me rapporte 200 000, je crois. 250 000 à chaque fois que je joue. Chaque fois que tu joues, il joue aussi. Alors, du coup, ça te rapporte plein de sous. Ce genre de jeu, faut toujours faire ça, en fait. Mais au début, j'ai acheté que les moins chers. Là, soit 120 000, ça. Tu fous ça sur un trajet à 35 000, c'est bon, le mec il te rapporte 35 000 à chaque fois qu'il roule. Il y a une veille qui va me demander un ticket, tu vois, je t'avais dit ça. Oblige. Un jour, senior, quantité 2. Allez, on se fait un petit tour de contrôle de papier. Papier, s'il vous plaît. Non, ticket, s'il vous plaît. Comme ça vous montre en même temps le... Toi, t'as une tête de coupable. Non. Ah, tiens, 120 euros d'amende. Connard. Putain, par contre, c'est chiant avec leur clavier. Ça vous fait voir un petit peu le l'intérieur du bus. T'arrives pas à mettre un bus dans OTS? Après, j'ai des techniques pour voir s'il y a des fraudeurs dans le bus. Merde, putain, je vois pas. C'est quoi ta technique? Putain, le peuple K ici. Oh, c'est joli ici, sérieux. Putain, petit village. Ah, oh, c'est fun. Franchement, j'adore ce jeu, il est trop beau. Ah, oh, les mecs, ils ont vachement travaillé sur les graphismes. Franchement. Je serais curieux que quelqu'un me dise par rapport à Homsi Bus, Homsi 2, s'il est vraiment mieux ou pas. Parce que j'ai pas envie d'acheter Homsi pour voir la différence. Mais franchement, lui, il me plaît pas mal. Alors, simple, normal, quantité 1. C'est bon? Bah, allez, ça va être le dernier arrêt là-bas, je crois. Ouais, de ce côté, franchement, c'est beau. Putain, il y a une putain de perspective en face. On voit bien les quartiers. Les trois. Les trois tours derrière mon montant de vitre. Là, à gauche, c'est la zone agricole, là, qui est derrière l'arbre qu'on va voir juste après. Là, ça, c'est zone agricole. Au fond, c'est la première zone qu'on débloque, bah, qu'on a dans le jeu.
trop fort. Faire échapper, sérieux? Je fais échapper et je vois s'il y a des fraudeurs. Passager oublié? Ah oui, j'ai oublié un passager, sérieux? Ah! Attends, remets-moi en vue intérieure, connard! Allez, dernier arrêt. C'était là la fin. Rue du Maïs. Là, il n'y en a pas. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Je le ferai de temps en temps pour voir. Ah, si, il y a encore du monde. Non, il monte pas. C'est le dernier. Ah, si, il y en a encore un. Hein. Non, j'ai fini. Niveau 15. Nickel. 247 000 à chaque tour, je gagne. C'est lequel ce trajet que je viens de faire? Celui-là. 8346, putain, il paye que dalle, hein. Ouais, bah tu vois, j'ai dû me planter dans le truc parce qu'il me fallait gare centrale, minimum un arrêt. Gare centrale, c'est celui-là, y'en a pas d'autre. Porte des menuisiers, gare centrale. Non, mais j'ai pas pris ceux-là, c'est ceux de chef fer machin. Laisse tomber, c'est parce que j'ai pas dû faire le bon trajet. Ouais, on le fera après. On va faire chier. Salut Mister Similaire. Bienvenue parmi nous. Bon, ça me fait chier d'arrêter parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le live, mais... Ça fait quand même 2 heures que je joue, c'est 6h40. Va falloir que j'aille faire à bouffer quand même. Et puis après, ben, si ce soir je veux faire du Euro Truck. Allez les amis, je vous laisse là. Merci à tous d'être passés. A bientôt Mathis. On se verra dans le prochain live, y a pas de souci. Ouais, j'ai vu, je me suis planté, faut que je corrige mon truc. Et puis à très bientôt les amis. Allez, bye bye à tous. À bientôt, à bientôt, à bientôt.